Je dis pas, Homer c'est du dinosaure. Homer c'est des putains de dinosaures. Des triceratops, ce triceratops, ils sont en voie de disparition. Yo les gens, salut à tous, salam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je voulais tout simplement éclaircir les choses parce que c'est souvent que vous me posez la question dans l'espace commentaire et j'aimerais vous y répondre, d'accord? La question qui revient souvent, même sur Facebook, The Kerry, combien touche Kenny? Alors, ce qu'il faut savoir, que Kenny, à une époque, touchait 1200 euros par mois. 1200 euros par virement, c'est-à-dire de mon compte à moi jusqu'à son compte à lui, d'accord? Les jours sont passés, on a gagné beaucoup d'abonnés, on faisait plus de vues, que ça, etc. Et j'ai fait un arrangement, je dis, voilà, c'est... lui, ça l'arrangeait de toucher plus. Je dis, écoute, je peux te rajouter 300 euros en plus. Donc ça te fera, au lieu de 1200, ça te fera 1500 euros. Mais pour ça, il faut que tu live plus. C'est-à-dire, tiens, au lieu de... C'est un exemple, hein, tout con. Tiens, au lieu de live 1 heure, tu live 3 heures. 2 heures supplémentaires, voilà, pour 300 euros supplémentaires. Vous voyez ce que je dis ou pas? Et donc, on a fait cet arrangement-là. Et puis, aujourd'hui, Kenny touche 1500 euros. 1500 euros, mais cette fois-ci, ce n'est pas du compte à compte. C'est-à-dire, ce n'est pas de mon compte à son compte. Mais c'est plutôt par retrait. C'est-à-dire que Kenny préfère avoir l'argent en liquide. Donc après, il fait ce qu'il veut, hein, c'est son argent. Mais voilà, en tout cas, il a son argent liquide et puis là, après, il fait ce qu'il veut avec. S'il veut les coffres, il les coffres. S'il veut passer son permis, il passe son permis. S'il veut aider sa daronne, il aide sa daronne. Il fait ce qu'il veut, c'est son argent. Moi, d'un côté, ça me permet de le motiver un peu. C'est-à-dire que l'argent que je lui donne, ça permet de le, c'est un aperçu. Je suis en train de lui faire sentir l'argent. Je suis en train de lui dire, tiens, 100, tu peux gagner plus, Kenny. Mais ça dépend de toi. Ça dépend pas de moi. C'est demain, tu te lances une chaîne YouTube, c'est exactement ce que je disais hier. Si tu te lances sur YouTube et que du jour au lendemain t'es démotivé et que t'es inactif pendant une semaine, c'est mort. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et là, je suis en train de me faire comprendre que les 1500 euros, si tu te lances sur YouTube et que t'es sérieux et que t'es toujours actif, etc., tu peux faire 3 fois, 4 fois, 5 fois plus, 6 fois plus s'il faut, même 7 fois. 7 fois, c'est pas un problème. Mais il faut que tu donnes à fond. Il faut que tu donnes à fond et pour ça, il faut du sacrifice, il faut du temps. Et le sacrifice, c'est le temps. Faut que tu passes énormément de temps au début. Une fois que tu auras ta communauté, etc., là, tu pourras relâcher un peu les pieds de l'accélérateur. Mais au début, il faut se donner à fond. C'est ce que j'essaie de lui faire comprendre. Hein. Le mec veut gagner de l'argent. Bah, d'accord, je vais t'apprendre comment gagner de l'argent, mais il faut suivre. Est-ce que je dis ou pas? Vous êtes nombreux. Il y a beaucoup de gens dans YouTube qui aimeraient gagner de l'argent. Et je sais que certains vont dire, ouais, mais c'est injuste. Moi, je me lève à telle heure, je touche pas autant, etc. Après, voilà, les 1500 euros aussi, YouTube, il y a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, voilà, bah, tu travailles à partir de chez toi, tu fais pratiquement rien. Mais le désavantage, c'est que voilà, tu aussi, parfois, t'es pas tranquille. Même si ce serait pour manger dehors, tu manges, les gens ils vont venir te voir. Ah, ça va, non. Toutes les 3 minutes. Là, c'est pas forcément facile aussi pour les gens. T'as même des serveurs, des fois, ils me disent, franchement, ça vous saoule pas, des fois. Bah, je dis, bah non, au contraire, nous, en même temps, on est dedans, on est habitué. Mais non, ça nous fait pas chier. Mais dis-moi, franchement, juste qu'un pote me reconnaît, déjà, ça me fait chier. Je dis, ouais, ok, bah. Où est-ce qu'il dit ou pas? Mais voilà, c'est ça, comme j'ai pu le dire, ça, c'est son avantage. Comme son inconvénient. Donc voilà. En tout cas, je suis super content pour lui. Moi, je suis content qu'il gagne cet argent. Je suis très très content. Maintenant, à voir lui, qu'est-ce qu'il veut faire plus tard. C'est. En tout cas, je lui donne l'opportunité. Maintenant, il fait ce qu'il veut. Kenny, je lui donne l'opportunité. Il est là, il est à la maison, il est nourri, il est logé, il a de l'argent. Voilà. Enfin bref. Maintenant, après, c'est lui et lui. Hein. Moi, je dirige pas son avenir. Hein. Je suis pas son papa. Hein, mais voilà. En tout cas, voilà, en tout cas, vous avez... J'espère que vous ne me reposerez plus la question. Maintenant, vous êtes fixé. 1500 balles par mois, c'est déjà bien, c'est une bonne somme. 1500 euros, le mec, il paye ni loyer, ni rien. Moi, je serais lui, je coffrerais direct 1000 euros. Je coffrerais 1000 euros, je garderais 500 euros pour moi. Et 500 euros, je me promène, je m'achète de la sable, je vais au restaurant, je profite de la life, quoi, tu vois. Après, il fait ce qu'il veut. Mais l'important, c'est de coffrer. Ça, c'est important. On sait jamais ce qui est fait demain, et puis voilà quoi. Bah écoutez les frères, c'est la fin de notre vidéo. Bah, en espérant que vous aura plu. Et puis voilà. Sur ce, les frères, je vous souhaite une bonne fin. Ciao, ici, merde.